La mort
Papa nous qui dans ciel, c'est pour yon respecter nous, c'est pour yon reconnaître c'est où qui wa, c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans ciel. Père, nous besoin chaque jour, ba nous li jodi a. Pardonner ça nous fait, même gens nous pardonner moun qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre en piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est pour même toute autorité, tout pouvoir et toute louange. Pour tout dans le temps. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Côté mia listil 11h, on est côté hier capable midi, mais nous saluons, nous disons bon sabbat dans le Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège, bon Dieu fait nous pour nous capable souligner ensemble avec ou même qui à New York tout partout côté hier. Nous capables sur YouTube pour nous capables partager l'évangile ensemble avec vous matin. Nous dit bon Dieu merci pour et façon que l'utiliser nous. Nous dit bon Dieu merci parce que choisi nous pour faire travail ça. Et nous remercier petite fille Darina et Valmir qui a chanté à la gloire de Dieu. Et nous remercier docteur François, pasteur François qui toujours là comme un mentor, un monde qui toujours là pour conseiller nous. Et nous dit bon Dieu merci pour famille François. Et pour tout collaborateur dans l'église Béré qui toujours a pas encouragé nous pour nous capables de faire travail là pour nous prêcher l'évangile. Nous remercier madame nous, petit garçon nous Benadja, petit garçon nous Kendrick, madame Ni et petite fille Kiyomi côté que nous y est dans moment ça. We thank God for them, we thank God for this family, for this couple. Please continue to pray for us as we deliver God's word this morning. Amen. Amen. Matin, nous t'aimons et partager un sujet ensemble avec vous. We would like to talk about a subject. God will always get his praise. Bon Dieu a toujours joint louange. Dieu recevra toujours sa louange. Nous sommes lire tout à l'heure dans Luc 17, les versets 11 à 19. Et nous lisons très bien, nous comprenons l'histoire là très bien. Mais il a raconté l'histoire d'une dame qui est Pam. Pam work in downtown Chicago. Pam travaille dans la zone de Chicago. Et chaque matin, il vient, il prend le travail, il rencontre avec une dame qui est heavy set, une dame qui est gros. Il rencontre avec dame ça chaque matin. Et dame a demandé, dame a un côté qui tout sale sous lui. Dame a demandé, la cherche pain, la demandé devant l'église là. Et dame ça, this beggar, she greets everyone with a smile on her face and a pleasant good morning. Chaque matin, dame nan wè Pam, dame nan wè un tap passé, li di yo good morning, li di yo bonjour, et li bay yo yon bel sourire sou lèv li. Pam almost always give this woman something. Chaque temps Pam wè avec dame ça, li toujou bay li yon bagay. And after a year or so, the woman that was begging in front of the church, Pam began to wonder that woman was not there anymore. Pam réalisait que dame ça qui t'a demandé pendant presque une année devant l'église là, lui remarquait que lui pas ouais dame là encore. Et Pam commence à poser cette question, ça doit passer dame là, est-ce qu'elle mourit ou bien ça passe, est-ce que là dans l'autre zone pour le demander. Pam commençait à poser cette question. Et yon beau jour, un beautiful day, the woman returned in front of the church again.
qui a retourné devant l'église là, les pas gain même radio sous lien encore, il était un petit Jean pi meilleur, mais ou t'es capable ouais, t'es style dans le besoin, ou t'es capable ouais que t'es style au monde qui a demandé. Mais et le pas moi d'amenant, pas m'étais content, pas m'étais si tellement content, il allait dans valise lui, she reached into her purse and gave the woman some usual donation. Il allait dans valise lui, il prend quelque change que le compte bail auparavant et il allait pour le bail d'amenant. D'amenant stoppé, d'amenant dit no thank you. Non merci Pam, je dis à pas besoin d'aide. Je dis à pas besoin et ça bon moyen. Je dis à I'm here to tell you, I'm here to thank you for helping me all these days. Damnan retourné pour le dire Pam comme ça, moi vini dans zone ça parce que me songe pendant une année, moi t'a demandé, moi pas de gain rien et moi nous t'ai chaque temps nous t'ai passé, nous t'ai bon yon bagay et jodi a moi vini pour me remercier nous pour me dire nous merci. She said I just returned here to let you know that you won't see me again here begging for change because I've got a job. Amen. Dame nan recevoir, li joine un job, li aller, li pa yo pa wè li, il retourne dans zone nan pour vinn faire konnen que m'pa vinn ni là pour mande encore, m'pa vinn ni là pour me longer cui moi encore, moi vinn ni là pour me remercier chaque monde qui t'est longer mes ban moi. Et puis dame nan aller dans valise li, she reached into a bag and she gave Pam a package. Li rale un package dans valise li bay Pam et fi ça li pat nan zone nan pou la mande encore li te nan zone nan pou le remercier because she was thankful, li te nan zone nan pou le bay parce que li te thankful. She was there, she was not waiting for a handout but she was waiting for the people she recognized who have helped her along these years. Li tap retann moun ki te reconnaît ki te kon ap aidel pendant te nan devant l'église dal tap mande ya so that she could give them each something, a package to thank them. In other words, this woman was simply thankful. Dame ça, il était simplement thankful, il était dit moun sa ou merci, il était venu, il était retourné pour dire moun sa ou merci. Et là nous gardons dans lecture qui était faite dans Luc chapitre 17 verset 11 à 19. Nous joignons une histoire qui est similaire avec Damsa, une histoire qui est similaire avec Mounsa qui était très généreux, qui était reconnaître que l'Éternel et Jésus défont bagay pour lui et Mounsa lui était retourné. On nous lit ensemble et en détail Luc chapitre 17 verset 11 à 19. Verset 11 à 19. Et Jésus se rendit à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il était, il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. On peut imaginer scène ça qui a déroulé côté Jésus a rentré dans Jérusalem et pour le rentrer dans Jérusalem, faut qu'il passe par Galilée et faut qu'il passe par zone qui est les Samaria. Et pendant Jésus a passé dans la zone de Samaria, il y a 10 lépreux qui campaient à distance, qui ont gardé Jésus, qui ont demandé Jésus. Et parce que dans l'époque, les gens qui ont lèpre, c'est un coup où ils ont coronavirus. Parce que dans l'époque, les gens qui ont lèpre, c'est un coup où ils ont supposé en quarantaine, même genre avec le moment ça, les gens qui ont coronavirus, là, même genre avec les gens qui prennent COVID-19, là, lèpre pas de guérison. Et il était très contagieux. Ou capable d'imaginer, ou capable de comprendre les maladies les plans à travers le coronavirus. Qui maladie les plans qui est? Leprosy attacks the body, leaving sores, missing fingers, missing toes, damaged limbs. In many cases, the initial pain of leprosy gives way to something more terrible than that. Lepte yon bagay ki te très terrible côté que li attaque koa et docteur yo ka di nou ça yo ka fè nou comprendre ça côté que gon paquet bouton ka leve sou moun sa gon paquet sores ka vini sou moun sa non seulement ça moun sa bwèt li commence à tomber et lèm di commence à couper et li commence à perdre et partie nan kò li
Et c'était très painful. A loss of sensation in nerve endings leading to more damage to more body parts. Ça veut dire que lorsqu'on a une lèpre là-dedans ou même, ou perdu et sensation, ou juste rétrograde ou un bout de tombé, ou un finger tombé, ou pas, ou être corps détérioré. And the disease can take 30 years to run its course. Disease ça ou ka gen lèp la ou ka prend 30 ans avec maladie a pour capable faire parcours li dans corps ou and in that time span an entire limb can simply fall off like we said earlier ou gen doit arrêter et pour ouais bras tomber ouais jambes tomber ou pas ka marcher ou vin yon handicap. It is assuredly a most horrible disease. Même j'en entends des coronavirus, c'est un gros bagaille, c'est un gros problème dans la communauté, dans le monde qu'on y a là. Eh bien, l'EP, c'était même genre 2000 years ago, c'est une maladie que même pas de medical treatment pour lui, même genre dans le moment ça, pas de medical treatment pour coronavirus. Pour qu'a gen un pi bon idée de ça m'a parlé, imaginons aujourd'hui 10 moun qui diagnostiqué avec COVID-19 coronavirus. Imagine 10 people today who has coronavirus COVID-19. Même les gens qui sont asymptomatic, even that person would be asymptomatic. Depuis que les gens connaissent, ils testent positif pour coronavirus, tout le monde perd. Et même les gens qui ne connaissent pas s'ils testent pour coronavirus, tout le monde perd. Tout le monde se cache, tout le monde se gants, tout le monde se lave les mains, tout le monde se social distance, tout le monde pèle. Et bien c'est même gens à l'époque, et dans l'époque ça, et dans l'époque ça que nous vivons là, c'est même gens que l'ep la teye. Même si on ne connaît pas qu'on est sous un corona, même si on ne connaît pas qu'on est sous un l'ep, depuis où tout se, et dans le moment ça, depuis où tout se seulement, ou bien éternué, et bien tout le monde suspecte. Tout le monde suspecte ou. So, ça veut dire que ou ka comprendre et dans condition dit les pour ça yo t'a vivre 2000 ans de cela les yo t'ai rencontré avec Jésus et nous comprendre que peine émotionnelle que monsieur ça a gagné the emotional pain of a leper was it was even worse than the physical pain. Why? Because this person was removed from his family. Yo retiré moun sa de famille, yo retiré de communauté li. There could be no contact whatsoever with his children or grandchildren. Ça veut dire si moun sa gen petit, li perd du contact avec petit li. S'il gen petit, li perd du contact avec petit li. No one except a fellow leper can have contact with that person. Ça veut dire même jouè coronavirus, c'est moun ki gen coronavirus, yo mette non seule zone. Je mettais un seul côté pour passer que déjà contaminé. Eh bien, c'est même genre dans le moment ça, et dans l'époque ça, et moun ça, il était retiré dans la société. He was immediately removed. His wife would not even be able to kiss him goodbye. Because si madame n'y a pas le goodbye, madame n'a pas le droit de prendre. Qui va prendre l'ep là tout et même Jean Kounia là madame nan depuis le connaît Maria le coronavirus yo isolé tête yo yo chaque non chambre ou bien madame nan qui te caille là ou bien monsieur qui te caille là et puis division dans famille là division dans employé là et n'a continuer nous rentrer dans verset 13 et côté il dit dit lépreux yo tombé yo tombé crier yo tombé relé ils élevèrent la voix et dire Jésus maître aie pitié de nous. Jesus, please have mercy on us. Jésus, maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, les Jésus voyaient, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Jésus, tant de nèg yo dit, maître, gen pitié pour nous. Et Jésus te gen pitié pour nèg yo. Li te gen compassion pour yo. Même le nèg yo, Jésus pas reconnaître yo. Mais Jésus te fait yon bagay pour nèg yo. Fais maxim yo, ça c'est la foi qui a agi là. Monsieur yo dit Jésus, tant pris souple. Gen pitié pour nous. Fait qui choy pour nous et Jésus te gen compassion pour nèg yo. Il te fait qui choy pour yo vrai. Alléluia. Jésus te touché yo. Li pas touché yo physiquement, mais spirituellement, il te touché yo. Il te fait yo joindre guérison que yo t'a cherché ya. Li dit monsieur, allez porter tête nous by sacrificateur yo. Jodi a Jésus t'a dit nous moun coronavirus yo. Moun ki gen corona yo. Allez porter tête nous. Al montrer docteur yo faire docteur ouais que coronavirus là li tourner yon antivirus encore
et li pa gen effet aucun effet sur vous. Ça belle dans histoire frère Maxime, c'est que depuis Jésus t'est fin dit ça. Alléluia. Depuis Jésus t'est fin dit, il t'est fin parler, Bible a dit pendant monsieur yo nan route, y a marché, yo pralé et puis pendant y a marché, tout lèp sa yo commencé guéri. Béni soit l'Éternel. Non, et puis dans imagination théologique moi pendant m'a imaginer et Jean Jésus guéri nèg sa yo dans imagination m'a dit que Jean Jésus guéri monsieur sa yo Jean Jésus fait miracle ça pour nèg yo pas arrêté en silence m'ka attendé yon nan nèg yo k'ap fè une conversation avec l'autre m'ka attendé nèg yo k'ap parler entre yo. Nèg yo a dit monsieur me reçu jeune guérison nan jodi a. Amen. Monsieur me reçu jeune guérison nan gen nan nèg yo k'ap di m'a reçu ka marcher sou moun jodi a. M'a reçu kal sou moun jodi a. Gen yon même ki di yo pa humilier encore. Gen yon l'autre ki di m'pa nan quarantaine encore. Et gen yon même ki tombe relé ki pran crier quel content. L'a dit, m pap souffri encore, béni soit l'Éternel. Gen sa pran chante, y ap chante, alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnais, au bon pour moi. Oui, monsieur, t'as chanté. Quel était content. Nous avons imaginé, yon le tijan. À l'époque, monsieur dit le tijan. Monsieur dit, alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. À jamais Dieu guérit. Alléluia. Vous attendez, n'est-ce pas que vous chantez? Alléluia, Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. À jamais Dieu fait grâce. Alléluia. Yes, nèg yo simplement agi foi yo. Yo di Jésus même fait qui choye pour nous. Et nan agi foi yo, yo toujwenn délivrance yo, béni soit l'Éternel. Nan agi foi yo, yo toujwenn guérison, béni soit l'Éternel. Nan agi foi yo, yo guéri pour le temps et l'éternité. Mais histoire pas fini là, frère Maxime yo. Nan verset 15, l'un d'eux, béni soit l'Éternel. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. En d'autres termes, youn nan monsieur yo, monsieur wè ke kòl guéri, monsieur wè pi pa tombe sou li encore, monsieur wè lèm li yo ki t'ap tombe yo commence à guéri. Monsieur dit qu'est-ce que gardons guérison, gardons victoire, gardons délivrance. Ah, m'paka al fè ou mwen pou m pa retourner di bon Dieu merci. M pa ka aller pou m pa retourner bay bon Dieu gloire, bay bon Dieu louange. Le de se voyant guéri revint sur ses pas. Oh matin m ta remè dou que ou même ou se youn nan le de sa yo. Le a parler de l'un de sa que c'est ou même lié. Le a parler youn de di le pre sa yo que c'est ou même lié au nom de Jésus. Le a di que youn nan yo retourner vin bay bon Dieu gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est moi pour lié. C'est ou même pour lié. C'est pas l'autre, c'est ou même. Kap koute matin qui pour venir retourner bay bon Dieu gloire pour ça le faire dans la vie.
pour côté le prend, pour côté le retire, pour côté le mettre, pour route la faire ensemble avec vous. Monsieur revient sur ses pas, il retourne. Il vient bailler bon Dieu gloire. À haute voix, béni soit l'Éternel. Bible apprend sans pour le dire que monsieur pas juste vienne parler, il dit Jésus dans oreille. Merci oui pour guérison. Monsieur pas juste rester, il vient parler devant Jésus pour dire Jésus, m'guéri oui, merci, m'allé. Non! Monsieur retourne, monsieur glorifier bon Dieu à haute voix. In English we read, one of them, when he saw he was healed and stopped, monsieur, he came back. This Greek word is haita, which is a purely medical term. It means to mend, to repair. Là, monsieur, elle guérit, monsieur, elle réparer, monsieur, elle colle qui était crasé. It's like a broken bone, finally mending. Monsieur, elle aime, commence à get back together. This guy was all patched up. Monsieur, tombé relé. Monsieur, quel content. Monsieur, dit m'bap souffrir encore. Alléluia, béni soit l'Éternel. Le monsieur elle guéri, monsieur dit wait a minute. M'pa ka un gras comme ça envers Jésus non. Si m'pa ta Jésus ça. Qui côté moi taillé. M'da déjà dans prison. M'da gen dans l'hôpital. M'da déjà condamné. Coronavirus ta fina avec. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Seigneur. Pour Jean, coronavirus a fait ravage. Pour Jean, des over 100,000 people die from coronavirus. Et puis nous même nous là toujours. Jean yo humilié nous. Jean yo critiqué nous. Jean yo parlé nous mal. Jean yo longé droite sous nous. Non. M'a pas fait bagay ça. Je ne vais pas faire des choses pour me retourner pour me dire bon Dieu merci. Jean, il dit nous, si nous ne pouvons pas mettre cacheté, si nous ne pouvons pas laver nous, si nous ne pouvons pas utiliser social distance, nous avons pris le coronavirus. Malgré ça, nous l'avons toujours. Le coronavirus n'est pas rentré dans le corps. Nous avons le coronavirus rentré, nous avons un antivirus, nous guérir au nom de Jésus de Nazareth. Comment pour nous pas faire du bon Dieu merci? Je peux imaginer, monsieur Kapdinegio, monsieur Antounet, allez merci Jésus non. On ga imaginer monsieur qui a exhorté nèg yo pour yo tourner vinn di bon Dieu merci. Gardez Jean pour nous vinn belle koun ya là. Nous pa gen pu k'ap sorti sou kòn nou encore. Nous pa gen malin encore. On allez non zanmi yo. On retourner di bon Dieu merci. Nèg yo di monsieur négatif. Nèg yo di monsieur nous gen bagay pi sérieux pou nan régler. He asked them to go back to thank Jesus for the healing. They said never. We have better things to do. Nèg yo di nou gen ba pi sérieux pou nan régler zanmi, nou pa gen temps pou nou tourner pou nan di Jésus merci. Dat n'ap souffri avec maladie lèp sa. Dat n'ap passé misère. Nou pa gen temps pou nou tourner, gade derrière. On a le fait zot ki te konn ap humilier nou yo wè. Comment nou vinn belle en forme. On a le montré yo que nous ka chita sous même table avec yo encore. On a le montré yo nous ka acheter belle caille belle machine. On a le montré yo moun ki te konn fè style sous nous yo que nous ka habiller tout. On a show off. Mais Tijan nous relé nèg ça l'un de ya Tijan. Tijan pat nan tout causer ça avec monsieur yo. Tijan di nèg yo monsieur nous met aller. Moi même m'a vini m'a retourné. Verset 16. Il tomba sur sa face. Les gens arrivaient devant Jésus. Il tomba sur sa face. He barat. In Hebrew, he barat. Il tombait face contre terre. In Greek, il proskeno. Monsieur couché plat à terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. He worshiped him. And the Bible tells me that he was not a Seventh-day Adventist. He was not Jewish. He was not one of the leaders of the synagogue. He was not a Pharisee. He was not a Sanhedrin.
He was simply a Samaritan. Et la Bible make sure li accentue que nèg sa c'était un Samaritain. Pour le cafou qu'on est, que grand monde qui retourne, ça nous relè ti Jean. Monsieur, c'était un Samaritain. Pour qui raison la Bible oblige fait nous connaître que ti Jean c'était un Samaritain? Eh bien, frère Maxime, yo, en pile fois, nous avons tendance à garder l'autre yo mal. Nous avons tendance pour nous penser que c'est nous-mêmes qui sommes bon. Nous avons tendance à dire que pas nous sommes bon. Parce que nous avons observé ça bas, nous sommes bon. Parce que nous étudions l'école ça bas chaque jour, nous sommes bon. Parce que nous observons les commandements à la lettre, nous sommes bon. Parce que nous baillons dîmes avec offrande nous fidèlement, nous sommes bon. Parce que nous connaissons l'esprit de prophétie, nous sommes bon. Eh bien, la Bible a voulu faire nous connaître. Pendant après les têtes nous enfants de la promesse et nous pensons c'est celle nous qui est bon, c'est celle nous qui gardait le commandement de Dieu et, la, et qui gagne la foi dans Jésus, pendant que nous pensons c'est nous qui est bon, hein? Bien l'autre petit bon Dieu dehors à tout qui remet bon Dieu et qui a adoré en esprit et en vérité. Yo ka pa ko gagne vérité sabbat même gens avec nous, mais yo gagne Jésus. Yo ka pa gagne école sabbat chaque jour pour y étudier même gens avec nous, mais yo gagne Jésus. Yo ka pa gagne la livre esprit de prophétie yo même gens avec nous, mais yo gagne Jésus. Yo ka pa enfant de la promesse, mais yo c'est enfant prodigue et yo gagne papa yo Jésus qui chita captain yo avec deux bras l'ouvri bien grand. L'aptan, tout ça qui fatigué et chargé pour li bay au repos. Béni soit l'Éternel. Dans verset 17 là, les Jésus ouais ça, li prend la parole et li mande ti Jean. Li mande Samaritain. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? 10 yo, 10 monsieur yo. C'est pas nous 10 sont guéris. C'est pas nous tous 10 là qui t'es guéri. Côté reste 9 yo. Verset 17. In verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Now, this is a different word than ayata. This is a katharizo, a Greek word. Qui veut dire with the root word for catheter. It is also a medical word in part, which means remove the impurities. When a doctor inserts a heart cath, angioplasty might remove a blockage of an artery. It will cause healing. So naturally, the Jewish connotations of this word are important too. To be cleansed was exactly what the priest would be looking for and would declare. It carried some religious overtones too. Jésus mande nèg yo, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Dans verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Étranger lié, make sure que dit monsieur son étranger lié. L'autre yo pas étranger. Que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? C'est étranger ça seulement qui retourne vin ba bon Dieu gloire. Pour qui ça c'est étranger ça seulement qui retourne pour vin ba bon Dieu gloire. Si le cas dit monsieur c'est un étranger, ça fait me comprendre que l'autre yo c'est petite caille yo té. Pour qui ça c'est seul étranger ça qui a loué. Pour qui ça c'est seul bon étranger ça qui a adoré en esprit en vérité. Puis, Jésus pose question. Samaritain ça, pour qui ça c'est lui seulement qui décide d'adorer? Puis il leur dit, verset 19, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Verse 19, Jesus said to this very thankful man, rise and go, your faith has made you well.
made you well, that's a different word. It's not a medical word necessarily, although it was used to describe the safe delivery of a baby. This is the word so-so, which means saved. That's the Greek word so-so, which means saved. See, the Greeks use it for people who escape dangerous situations. For example, sailors surviving a storm at sea had been saved. They said so-so. When Matthew began his gospel, he started with the story of the angel telling Joseph to name the Christ, Jesus, because that name meant that he would save people from their sins. He would so-so the people. En d'autres termes, grec yo yo utilisé mot ça que Jésus utilisé comme yon moun qui pas vraiment et sauvé dans col. Mais c'est sauvé dans l'esprit. Et c'est même gens là on moun a voyager dans bateau et puis gon gros storm qui vini et puis moun sa yo sauvé, yo utilisé même mot ça so-so. Matthieu t'a utilisé même mot ça, les anges t'a venu dire Joseph pour prêler Christ là Jésus, parce que Jésus voulait dire yon moun k'ap vinn sauver moun nan péché. Et il était utilisé même mot ça, so-so. S-O-D-Z-O. Si nous t'avons appelé. When Paul described what would happen to a person that publicly professed Jesus as Lord and Savior, he used that same word. In Romans 10, verse 9 to 10, it says, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be so-so. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are so-so. So Jesus said to this very thankful man who was willing to follow God before his circumstances changed, to worship God before you return home. Jesus pronounced a complete healing, a wellness that passes all other wellness. So Jésus te dit nexa qui te vle bay bon Dieu gloire, bay bon Dieu louange avant l'aller, parce que si comme ça c'était changé ya. Nexa qui te vin adorer mon Dieu avant te al lakayli ya. Jésus te prononcé yon délivrance totale sous la vie nexa. L'autre nèg yo te délivré dans corps yo, mais nan yo pas délivré. Corps nèg yo te délivré, yo te guéri dans corps yo, mais nan yo pas délivré. Mais nèg sa te retourné an tijan, que nous relé tijan. Les tijan retourné vinn remercier Jésus, vinn glorifier Jésus, vinn louer mon Dieu. Jésus prononcé yon l'autre parole. Yon parole so-so. Et nèg sa te jwenn yon délivrance totale, capitale. Béni soit l'Éternel. Rapidement pour me finir, m'a bon 4 leçons que moi-même m'ai tiré dans passage ça. Leçon numéro 1. 4 lessons from this passage. Number 1. Start walking in faith. Nous devons commencer à marcher dans la foi, frère Maxime. You cannot wait until the problems are over to start walking in faith. You cannot put conditions on God. You cannot say, Lord, as soon as there is enough money, I will follow your instructions. You cannot pray, Lord, if you just solve this issue in my family, I'll start going to church. You cannot put conditions on God. Ou pa ka mete condition sou bon Dieu. C'est pour commencer by bon Dieu louange, c'est pour commencer adorer bon Dieu, c'est pour commencer croire dans bon Dieu avant miracle la fête. Béni soit l'Éternel. Parce que instead God will place condition on us. Bon Dieu met condition dans nous-mêmes, la mandé nous pour nous gagner la foi.
Li mande nou, he demands us to have faith in him before he does anything for us. Before anything can change, we need to have faith in God. Amen. Start walking in faith. God is saying to you today, bon Dieu a dit aujourd'hui à frère Maxime yo. Bon Dieu a parlé aujourd'hui à li dou. Même les de coronavirus remême. Adorem, même les de coronavirus adorem. Louem, même les nous dans pandémie louem. Obéim, même le ou pas gen talent, même le ou pas gen ressources. Suive-moi, même le ou gen dépression la kayou. Dis non à tentation, même le li difficile. Bam louange, nan fait noir, béni soit l'Éternel. Bam louange, l'el fait pi noir. Et bam louange, nan circonstances qui pi difficile yo. In other words, God is saying to you today, love me despite the disease. Obey me despite the lack of talent or the lack of resources. Follow me despite the depression. Say no to the temptation while it is still difficult. Praise me in the darkest of night and in the worst of circumstances. Number two. Leçon numéro deux que m'apprends. Be thankful for your blessing. Toujours dis bon Dieu merci pour bénédiction que le baou. Even though you're not where you should be, you're not where you used to be. Même le ou pas koto ta doué ya, mais ou pas koto ta supposé ya. The man came back to Jesus. Praise God. He was thankful. He was public about it. And he was loud. He wasn't shy at all. Next sa, monsieur retourné, vin di bon Dieu merci, vin glorifier bon Dieu. Monsieur te connaît que bon Dieu fait un gros bagay pour lui. Et il était public avec adoration. Il était loud, il était dit fort dans mot hébreu, il était shabak. Bien fort. Monsieur pas shy du tout. Monsieur tape halal. Nan mo ibouya. Halal. Alléluia. Monsieur tape clamorously funny devant mon Dieu à cause de délivrance li. Now you ask me, why was he so loud, pastor? Understand. Remember, this guy had been forced to yell for as long as he had leprosy. Monsieur, tout l'el te gen lepio, se relel te kon ap rele. Mais les pour passer pour moun raler koyo. Il t'a qu'on a prélé bien fort. To let people know that he was passing. So now, monsieur pas konn comment pour le quiet. He didn't know how to be quiet. When he come to the Lord, he didn't know how to come quietly or in a normal voice. Because les monsieur tourné, monsieur tombé dans pied Jésus. He was just louder than the normal person as he was praising God. Monsieur était tourné avec un excitement dans quel pas de monde qui était ca pi fort basil. Et ça fait gagner l'église, on t'a des mon a chanté bien fort, mon a adoré bon Dieu bien fort. Ou a dit ça qui a passé mon ça là, pour qui ça la bail bon Dieu louer fort comme ça. Mais pas oublier, c'est monde ça avec bon Dieu qui connaît côté bon Dieu prend. C'est monde ça connaît côté bon Dieu retire. He was loud. Number one, nous disons, start walking in faith. Number two, be thankful for your blessing. Number three, we must take time to acknowledge God for his goodness. Nous devons prendre temps pour nous dire bon Dieu merci, pour nous retourner pour nous dire bon Dieu merci. We can be thankful to God by gathering a group of people, family, friends, for a prayer of thanksgiving. A real prayer of thanksgiving. Ou qui doit dire bon Dieu merci, tandis que ou juste prendre deux, trois mouns, ou réunir, ou faire action de grâce. Même gens que nous avons fait chaque mois pour nous réunir ensemble. Et nous ne jamais rater une opportunité pour nous réunir ensemble. Pour nous bailler bon Dieu gloire, honneur, louange.
Yes, we are loud about it. Just like Tijan, the leper. We loud about giving God his praise. Nan yon jou li posib. Li posib pou nou pas yon jounen sa nou pa di bon Dieu merci. It's possible to get all the way through a day without ever stopping to thank God. Pa fè sa. Pa menm jan avèk 9 lèpre yo. Mete, fè, pran yon angajman pou kapab stopè, pou kapab bay bon Dieu gloa, pou kapab di bon Dieu merci pou sa liye nan la vie ou et pou sa la fè pou ou. Commit to stop and thank God for who he is and for what he's done in your life. That is worship. Ça c'est adoration, frère Maxime. Number 4. Put everything on hold and return to celebrate Jesus. Hallelujah. Put everything on hold and return to celebrate Jesus. One healed leper came back. One caught himself in the midst of the celebration and returned to Jesus. He reversed his steps, put his family on hold, put the priests on hold because he had to go and show himself to the priest. He put them on hold and came back to the cause of his celebration. Always go back to the cause of your celebration. Toujours retourner pour bailler mon Dieu gloire parce que c'est lui-même qui faut qu'on célébrer comme il y a là. Toujours retourner pour dire bon Dieu merci parce que c'est lui-même qui faut capable la journée aujourd'hui. Réponse nèg ça à situation là, t'es très unique. Monsieur Salpea, what he did, his thankfulness led to an action. Jesus asked him, do you realize what this says? Go and show yourself to the priest. C'est ça Jésus dit yo. Jesus never commanded that any of them express thankfulness to God or return to him, the healer. Nevertheless, c'est ça Jésus te expect. Même là Jésus pas dit pour retourner vinn bal gloire vinn dire merci, mais Jésus te attend pour retourner vinn bal gloire vinn dire merci les guéri. But même là dans Ancien Testament, dans Nouveau Testament, monde qui gagne lèpre, c'est une maladie qui recevoir yon supernatural healing. Maladie lepsa, c'est une maladie qui délivrance li, c'est un bagage supernaturel que li. C'est celle grâce bon Dieu. Nous joignons dans Bible là un paquet de détails qui ça te capacé au monde qui gen lep. Et nous connaît le monde yo konnen gen lep sou ou commencer gen corps k'ap montre un série de symptômes de lep là. Et pendant ou montre symptômes lep là, lep là, Bible dit pa janm gon lépreux qui te guéri naturellement. There was never a leper who was just naturally healed. Lep, c'était une lifetime sentence of pain and exclusion. But there were some healings. Amen. In the Old Testament, we find out that Moses' sister had leprosy for a week and was miraculously healed. Sœur Moïse la t'ai lep, elle t'est guérie miraculeusement. Naaman t'ai gen lep et nous connait histoire Naaman, il t'al dans Jourdain, il t'ai joindre guérison. Maintenant, Nouveau Testament, Jésus guérit les lépreux. C'est comme si c'est ton petit col que tu gagne. C'est comme si c'est pas un rien que tu nèg yo te gagne. Jésus just guérit yo comme ça. Parce que Jésus t'ai gagne bon médicament pour le te ba yo. Jésus t'a continué
guéri les pro yo. Mais c'est pas naturellement le tapir, c'est super naturellement parce que Jésus s'est dit que c'est bon Dieu. Et c'est ton façon pour bon Dieu de faire reconnaître que ça c'est Messie, c'est Christ là, c'est Emmanuel là, bon Dieu qui est avec nous. Et c'est bon Dieu seulement qui te ka guéri les pro ça. C'est le bon Dieu. Jésus t'a guéri les poissons avec pouvoir que l'il te gagne. Parce que c'était bon petit bon Dieu qui t'est incarné. Et bon Dieu t'est recevoir louange à cause de façon Jésus t'a travaillé sur la terre. Et pour me capable finir, frère Maxime, Jésus remet nous. Jésus remet nous, quel que soit. Koto soti a, quel que soit moun ou ya, Jésus remonte tout naturellement. Quel que soit moun ou ya, Jésus remonte tout naturellement. Matthieu raconte nous comment yon nèg qui te souffri avec lèp, Jésus te stoppé. Il te fait une guérison. Pendant nèg ça, Jésus vient faire guérison dans Matthieu 8. Jésus t'est touché nèg ça. Il pas juste parler avec lui de loin non, même le nèg ça t'a gain senti sous lui, même le nèg ça t'a gain pu cap piger sous lui. Jésus t'est touché nèg ça. Et même côté là, Jésus te dit nèg ça be clean al montre tête tout à prêt yo les platé aller ça c'était miracle qui était plus easy qui était plus facile là. Mais l'autre miracle là c'est là Jésus te touché avec l'amour c'est pas parce que nèg la te gelep qui fait Jésus pas ka touché l mais Jésus te connaît te pi grand passé lèp là. Jodi a today you've touched more people in an hour than this man had been touching years. Today you've been close to friends or family. Today you've had people hug you, but this guy was begging for a hug. He was begging for a touch. And he couldn't get someone to touch him, but Jesus was willing to give him that touch. And I'm here to tell you, friends, family, brothers and sisters, no abuse has scared you so badly that Jesus won't touch you. Jesus is willing to lovingly touch you, hold you and restore you. No sin has made you unlovable. Jesus is willing to call you his friend and stand beside you. It was his death that paid for your sin. No fear has disqualified you. No problem has put your life on hold. No failure has neglected his love for you. The miracle of Thanksgiving is the love of Jesus for you. No exceptions, no qualifications, no doubts that Jesus loves you. And for that, he will always get his praise. For that, he will always get his glory. For that, you and I need to always worship him. Pas de monde que Jésus va toucher. Et miracle que Jésus fait dans la vie, nous, c'est que le toucher nous. Sans exception, sans qualification,
sans doute, il touche nous avec l'amour. Et à cause de l'amour, mon Dieu, Dieu recevra toujours sa louange. À cause de l'amour, mon Dieu a toujours recevoir adoration. À cause de l'amour, mon Dieu, moi-même avec vous, nous devons toujours bal gloire, honneur, que lui-même seul mérite. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. A closing song. I will sing of my Redeemer and his wondrous love to me. On the cruel cross he suffered, from the curse to set me free. Sing, oh sing, of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt, and made me free. I will tell the wondrous story, how my Lord assayed to save in his boundless love and mercy. He the ransom freely gave. Sing, oh sing, of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross